ADA Audio présente Le pouvoir de créer de Abraham. À la narration, Vincent David. Notre rôle dans cette magnifique co-création. Nous sommes un groupe d'êtres qui observent votre dimension physique à partir de la dimension non physique. Nous nous nommons Abraham et nous existons dans une absolue harmonie. Nous sommes ensemble parce que nos expériences de vie nous ont amenés aux mêmes conclusions. Grâce à cette base commune en constante évolution, nous partageons une perspective identique. Nous sommes des êtres libres, joyeux et en croissance. Nous appuyons sur le mot « libre » car c'est grâce à notre liberté que nous pouvons choisir la joie et la croissance. Nous ne sommes pas différents de vous ou de tout autre être dans l'univers en ce qui concerne la liberté, car nous sommes tous absolument libres. Mais la plupart ne comprennent pas leur liberté, donc ne la vivent pas. La liberté n'est pas quelque chose qui est mérité ou attribué, mais une chose que l'on reconnaît. Grâce à nos expériences individuelles et collectives, nous sommes parvenus à de nombreuses conclusions. Nous préférons la joie à la souffrance, la croissance à la stagnation, de même que la liberté à l'emprisonnement ou à la manipulation ou même à la désapprobation. Par notre vaste expérience, nous en sommes venus à comprendre la véritable nature de nos êtres et à réaliser que tout ce que nous sommes ajoute à l'ultime élévation de tout ce qui est. Nous avons l'intime conviction qu'il n'y a pas de fin à la croissance, car nous existons tous dans un éternel présent. La joie ou la souffrance, la croissance ou la stagnation, la liberté ou l'emprisonnement que chacun de nous ressent en ce moment sont purement le fruit de nos décisions individuelles. Conscients de cela, en tant qu'Abraham, nous choisissons constamment de vivre et d'enseigner la liberté, la croissance et la joie. C'est ce qui nous incite à diriger notre attention vers votre dimension physique. Lorsque nous observons votre terre, nous sommes en mesure d'identifier vos villes, vos maisons, vos expériences de vie individuelles et même chaque détail de votre vie physique. Mais nous préférons nous concentrer sur votre état d'être, car celui-ci renferme beaucoup plus d'informations pertinentes que tous les trucs physiques qui vous entourent. Il va de soi que de nombreuses choses matérielles s'offrent à vous pour être explorées, ressenties et appréciées, et nous reconnaissons la beauté exquise de votre monde physique. Mais tous les éléments physiques de votre monde ne sont là que dans un seul et unique but, l'amélioration de votre état d'être. En tant que créature physique, vous êtes tous pour la plupart si fermement enracinés dans votre perspective physique que vous perdez de vue le contexte plus général. Mais il vous arrive parfois de sentir intuitivement le but de votre présence ici, et certains d'entre vous, après en avoir pris conscience, se mettent à poursuivre activement cet objectif. Lorsque vous énoncez vos questions, en vertu des puissantes lois de l'univers, les réponses commencent à affluer.
Par notre nature d'enseignant cherchant la croissance, l'élévation spirituelle et la joie, nous sommes littéralement attirés vers ceux et celles qui recherchent précisément cela. Nous sommes toujours prêts à leur venir en aide. La vie physique telle que vous la connaissez ne pourrait exister sans la dimension, l'énergie, le soutien et le savoir non physique. L'homme reçoit depuis longtemps des éclairs d'inspiration ou d'intuition et même des communications qu'il reconnaît volontiers comme étant séparés et distincts de son propre esprit conscient physique. De fait, le contact entre le plan physique et la dimension non physique que nous vous décrivons n'est certes pas quelque chose de nouveau, puisque vos archives terrestres regorgent d'innombrables histoires de rencontres fantomatiques, d'événements inexplicables et de révélations divines. Les dimensions physiques et non physiques sont intimement liées et ne peuvent être séparées. La vie physique telle que vous la connaissez ne pourrait exister sans la dimension, l'énergie, le soutien et le savoir non physique. Nous ne sommes pas tellement différents de vous qui écoutez ceci de votre point de vue physique, car nous sommes tous animés de la même vie. Peu importe la dimension où nous séjournons et le mode d'existence que nous avons choisi, nous sommes tous en quête d'expérience, de stimulation et de croissance. Il est toutefois plus difficile pour vous d'étendre votre conscience de façon à englober notre expérience non physique. Voilà pourquoi nous observons continuellement votre expérience, cherchant à nous exprimer plus clairement avec des mots qui vous sont familiers afin de vous aider à mieux comprendre qui vous êtes. Mais il y a des lacunes dans la communication, tout particulièrement lorsque nous tentons de vous expliquer notre état d'existence en des termes intelligibles qui tiennent compte de votre perspective physique. Par exemple, il nous est littéralement impossible de vous exprimer en quoi consiste notre expérience non physique, puisque vos yeux qui vous servent de repère dans votre dimension vous empêche de la comprendre. Par conséquent, en vous offrant des principes et des lois susceptibles de s'appliquer à ce que vous comprenez, nous pouvons vous être d'un grand secours pour tout ce qui concerne vos expériences dans votre dimension. Toute notre attention dans ce livre audio vous sera consacré afin de vous expliquer la raison de votre présence dans cette dimension physique. Nous vous parlerons aussi des moyens grâce auxquels vous pouvez atteindre vos objectifs à partir d'une meilleure compréhension des lois éternelles gouvernant toutes les dimensions. Notre vœu le plus cher est de pouvoir vous aider à pleinement apprécier tout ce qui s'offre à vous en ce moment et à vous voir tel que nous vous percevons à la toute veille d'un avenir absolument fabuleux. Nous espérons aussi pouvoir raviver en vous ce merveilleux sens de l'aventure que vous avez éprouvé le jour où vous avez émergé dans ce magnifique corps physique, anticipant tout ce qui vous attendait sur cette terre. À cet instant précis, vous avez sans nul doute reconnu le fait qu'il s'agissait d'un nouveau commencement.